Bonjour, bonjour mes petits chats. Ben voilà, on recommence une nouvelle semaine. Donc on est lundi 12 juin et il est 7h40. Voilà, donc moi j'ai commencé toutes les chambres, enfin toutes les chambres, il y en a que deux. Les chambres, Alan vient juste de partir. Cet après-midi, je dois m'occuper de nettoyer la piscine et mon mari m'a demandé si je pouvais l'avancer. J'ai dit ouais, je le ferai, ben je ferai déjà les bords là. Peut-être pas là-bas au fond pour comment je dois être abaissé et tout, je pense pas. Mais vraiment là quoi. Donc tout nettoyer, la verdure en fait, vous voyez. Tout ça, ça va être nettoyé. Voilà, vous attendez mes oiseaux chanter. Ils disent bonjour Nathalie, comment vas-tu Nathalie? Vous avez vu, il me répond. Donc hier samedi, monsieur a fini tout son bac voilà, à fleurs là. Hop, il a fini le contour. Et là, il manque des sacs de terreau. Donc franchement, je ne sais pas quoi planter dedans. Mais il a déjà mis mes bulbes. Enfin mes bulbes, moi j'appelle des bulbes, des oignons. Des jonquilles. Mais après, je lui disais, comme les pensées tout, moi j'aime pas trop ces fleurs-là. Mais je veux des fleurs ou. Qui reste tout le long de l'année quoi donc ou alors au printemps comme les jonquilles ils sortent ça arrête une semaine ça s'arrête mais je veux qu'il y a autre chose qui reprend donc si vous avez des petites idées dites-moi en commentaire mes petits chats ma liste ben voilà elle s'ouvre elle s'ouvre elle s'ouvre mais elle est serrée là il y en a une qui essaye de s'ouvrir là mais elle est serrée à rapport aux autres et les feuilles sont dures je trouve enfin, elles sont fort épaisses. Donc, il y en a encore une là à s'ouvrir, là, là. Et puis voilà. Donc, nous, hier soir, on a eu de l'orage. Ben, on a passé l'après-midi chez les beaux-parents de mon beau garçon. On arrive à 3h, on est reparti à 7h. Grand soleil et tout. Puis d'un coup, on s'en va de chez eux. Et au plus on avançait, plus ça menait gris. Donc, on arrivait chez nous. Gris, gris, gris. Donc, on a eu le temps vraiment de rentrer toutes les banquettes, le parasol, tout, tout, tout. Même la fleur, la lisse, on l'a rentrée. A commencé à pleuvoir mais ça a fait du bien ça rafraîchit d'un coup même le thermomètre avait baissé à 24 ça fait ça ah ouais ça faisait trop du bien mais par contre dans les chambres il faisait encore chaud j'ai très mal dormi enfin allez je vous souhaite une excellente journée puis je reprends à la fin de la vidéo donc ce matin ben, j'ai tout ça arrangé voilà. Là, c'est maison à fond parce que ce week-end, je vous dis, on a rien, j'ai rien fait. Donc, il y a plein de tâches, ça colle et tout. Là, je vais tout astiquer à fond. Donc, voilà, en gros. Hein. Voilà, mes petits chats. Hein. Ça, c'est les affaires à Alan. Voilà. Alors, j'ai le WC, là. Hier, je vous ai filmé à Leclerc. Donc, moi, j'ai pris celui-là. J'ai pris le canard WC. J'ai l'action intense désinfectant. Vous voyez, il y a désinfectant et nettoyant. Fraîcheur menthe, là, j'ai pris. Donc là, j'ai pris celui-là. Application précise jusqu'à sous les rebords. Vous voyez, surtout ça, il faut bien les nettoyer en dessous des rebords. Au pire, vous voyez, vous mettez des gants, vous mettez le canard usé, vous laissez quelques minutes. Et puis après, vous mettez des gants. Et puis, vous prenez le papier toilette. Et puis, vous frottez tout le rebord. Vous voyez? Voilà, vous frottez ça. Et moi, de temps en temps, je mets du vinaigre blanc dans un récipient. Puis, je pulvérise. Vous voyez, à l'envers, là. Et puis, après, je laisse agir. Puis, je frotte aussi. Voilà. Donc, il y a le désinfectant et le nettoyant. Donc, moi, j'ai pris le désinfectant en sachant qu'il y a une abonnée qui m'a mis. Que je vous disais, comme j'ai reçu un colis pour mon anniversaire. Et en fait, oui, on a bien volé dans le carton. Il y avait elle m'avait offert en fait un grille-pain, cette jeune fille. Et le grille-pain, ben, il a été volé. Voilà. Donc, il y avait elle m'a mis quelques cadeaux, hein, puisque je vous ai fait voir. Et là, voilà, elle m'a mis en baie pure, WC Active Gel, hygiène et fraîcheur. Là, là. Et là, c'est un nettoyant, regardez. Nettoyant efficace. Donc, moi, je vais faire un jour sur deux. Un jour, je vais mettre le désinfectant. Un coup, je vais mettre le nettoyant. Un coup, je vais mettre, vous voyez, je vais alterner en fait. Comme ça, quand ça désinfecte, vous n'aurez pas de calcaire, rien qui va se déposer sur la cuve. Et le nettoyant, ça sera juste pour que ça sent bon, puis nettoyer un coup votre toilette.
Voilà mes petits chats, petit cours du WC de chez Nathalie le lundi 12 juin. Ensuite, là ici, des tartrans. Et des tartrans. Là c'est un blanchissant. Voilà, là c'est marqué nettoyant. Détertrant. Là c'est blanchissant. Détertrant. Regardez. Désinfectant. Désinfectant. Là il est marqué nettoyant. Donc voilà, là j'ai fait, voilà, j'ai même fait les armoires ce matin, voilà, donc en bas, et là c'est à moi, et ici, 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 c'est à monsieur, donc vous voyez, je mets dans les panières, hein. Voilà, j'ai tout dépoussiéré et tout, et j'ai tout nettoyé, voilà, donc j'ai plus qu'à aspirer, j'ai fait les poussières, j'ai plus qu'à bien aspirer partout. Et puis là, c'est grand ouvert. Et puis après, ben voilà. Souvent, je laisse comme ça. Enfin, je vais aspirer là après. Mais après, je laisse ouvert ce que midi. Et après, je ferme. Enfin, je baisse le volet, quoi. Voilà. Alors, là. Donc, j'ai mis le produit. Là, c'est tout le linge que je dois faire. Hein, ça, voilà. Hein, ça, c'est le bordel du matin chez Nathalie. Hein. Papier toilette. Ça, voilà. Donc, voilà. Regardez, j'ai mis le canard WC. Il y a une belle couleur. Et ça sent super bon, la menthe. Voilà, donc là il y a une machine qui se fait. Après je ferai du noir. Je pense qu'il y aura deux machines de noir et faire toutes mes lavettes. Voilà. Là c'est ben, les affaires à l'âne. Donc dans la chambre à l'âne, donc j'ai fait un tri. Là ça s'est acheté tout à Carrefour, le truc de vêtements. Et puis là, ben, c'est la chambre à l'âne que je vais faire à fond. Là c'est cahier tout. C'est pour ça là, où j'ai bien lui acheter des casiers et tout pour tout bien ranger parce que là c'est vraiment le bordel. Le bordel, mais sinon, ben, la fenêtre ouverte, les hop, mais voilà, ça à faire, à faire. Et puis là aussi, ranger les chaussures, tout aspirer en fait. Là, je vais tout bien aspirer, comme ça, mercredi, après le... Ah oui, n'oubliez pas, lundi, le live à 10 h. Hein. Et puis, comme ça, je vais tout aspirer, comme ça, mercredi, après le live, je donnerai un coup de lavette. Voilà, puis on re rentre chez Nathalie. Voilà le bordel de chez Nathalie. Donc j'ai commencé à aspirer. Comme ça, après j'ai laissé ma porte grand ouverte. Et puis l'aspiration comme ça, hop, ça a été fait tout de suite en fait. J'avais trop mal dormi de la veille avec la chaleur et tout ça. J'avais trop mal dormi. Et mal placé aussi parce que mal au dos, mais un mal de dos pas possible. Donc, bah après ça s'est passé. Donc, aspirateur et ensuite le balai vapeur. Je me suis dit, bah, je vais pas laver à la serpillière et eau parce que comme je dois encore nettoyer dehors et tout ça, on va faire rentrer sortir encore une fois. Donc je dis, je laverai fin de semaine en fait à eau et serpillière. Je pense que toute la semaine là, je vais faire aller mon balai vapeur. Puis au moins ça va bien décrasser mes sols parce que le balai vapeur, ben, comme il crache de la fumée, puis enfin, de la fumée n'importe quoi, de la vapeur et ça me décrase bien mes sols quoi. Mais je pense que vendredi, je vais laver à grande eau comme ça pour le week-end. Et puis dans ma tête, je serai tranquille, ça sentira bon. Et puis je dirai, mes sols, ils sont lavés, quoi. Donc vendredi, je pense que ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire mes sols à grande eau, serpillière et eau bouillante. Donc de là, j'avais nettoyé, j'ai donné un coup sur ma porte parce que comme on avait eu de la pluie du dimanche soir, ça éclabousse sur ma porte. Je ne sais pas si à vous, ça vous fait pareil. Ça me fait tout des... Bah de la terre, enfin tout qu'est-ce qui pleut, ça esclabousse sur la porte en fait. Donc ça fait dégoûtant et du coup j'ai donné un coup sur ma porte. Parce que j'aime pas que ma porte est remplie de taches noires, ça fait dégoûtant quoi. Ça fait pas propre. Donc de là je mets mes...
tabouret sur la table. Et je vous dis, j'aspire de partout, 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 partout. Après, ma fosse, c'était pas trop sale, mais ça collait beaucoup là où que je passe l'aspirateur par terre. Sûrement qu'ils ont dû me renverser quelque chose ou quoi, mais ça a collé énormément. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé au balai vapeur. Au moins, ça a bien décrassé. Vous voyez, j'avais fait mes joints, tous mes joints. Quand? On est quel mois là? Juin, je fais en mars, je crois. Donc vous vous rappelez, j'étais à quatre pattes avec mon produit, ma petite brosse de chez Action que j'avais achetée. J'avais fait tous les joints, et ça faisait bien blanc, bien blanc, bien, bien blanc. Et vous voyez déjà que ça parle à force, vous voyez, de laver tout ça, ben ça renoircit en fait, ça redevient. Ah, mais souvent, après ça, je vais le refaire bien en septembre. C'est quand Alan il va reprendre l'école. Je vais le refaire là. Je vais refaire tous mes joints là. Comme ça, ben, je serai tranquille pour l'hiver en fait. Je le fais deux fois dans l'année. Je fais une fois quand le printemps il va arriver, le mars. Et après, je refais une fois au printemps. Comme ça, après, je suis tranquille. Puis après, entre deux, quand je vois que ça noircit, je prends ma petite brosse et puis je le fais quoi. Je le fais tout de suite. Comme ça, j'ai pas besoin de faire toute la maison. Entièrement, mais là au mois de septembre je vais tout refaire là, les joints. Donc j'avais nettoyé tous mes pieds de tabouret, donc je vous ai fait voir. Enfin là c'était vraiment rapide quoi. J'ai mis du Fabuloso sur un chiffon, puis j'ai bien tout nettoyé. Mais d'habitude je prends ma petite bassine grise, je mets un peu d'eau avec du produit vaisselle. Faudrait que je vous montre un de ces quatre. Et puis je nettoie les dessus en fait. Vous voyez les pieds, il y a un truc blanc. Et ça, je le nettoie bien parce que bah, à force de les bouger, rebouger, nanana, bah, ça noircit en fait. Et ça fait pas propre. Et ensuite, j'avais passé un coup de Fabuloso, je crois, sur mon plan de travail, tout ça, comme mon micro-ondes. Bon, après, là, c'était pas vraiment le sale, c'était par terre en fait. Sinon, les surfaces en hauteur, c'était propre. C'était vraiment les surfaces par terre qui étaient vraiment sales, sales, sales. Donc, et de là, ben, Nathalie, elle s'attaque. Il était 2h30. Nathalie, elle s'attaquait à la piscine. Enfin, au sol de la piscine, parce que c'est vrai que c'était dégoûtant. Puis, comme là, on va la remettre en route et tout ça, quand on va aller se baigner dedans, on va pas mettre nos pieds dans la saleté. Hein, autant que on marche sur du propre pour aller dans la piscine. Mais de toute façon, avant d'aller à la piscine, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens de prendre une douche. Après, on met le seau avec de l'eau froide et puis trempent leurs pieds, puis ils vont dans la piscine, quoi. Et ensuite, ben, il y a toutes les serviettes et tout, prennent leurs serviettes et puis voilà. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui va aller dans la piscine, on demande pour qu'il passe dans la douche avant, pour pas, voilà, parce que la piscine, ben, nous on met tous des produits dedans. Enfin, monsieur, il l'entretient à fond et puis c'est pas pour leur dégueulasse après, quoi. Donc voilà, de toute façon, vous verrez bien. Ça va être filmé, spécial vidéo piscine, nettoyage, comment on fait, c'est pour une abonnée. Parce qu'elle m'a demandé comment monsieur faisait pour la remettre en route et tout ça. Donc je lui ai dit, je ferai une vidéo spéciale piscine. Et puis il y a des moments, vous nous verrez dedans, quoi. Et comme là, ils annoncent encore un super bon week-end, donc monsieur, là, il va faire cette semaine. Bon, il est 2h15, donc j'ai commencé à faire une première partie. Donc voilà, j'ai tout bien aspiré avant parce qu'il y avait des feuilles et tout. Et monsieur m'a dit surtout, aspire bien ici, à fond avant. Pour pas que, voilà, que ma lave et tout quoi, ça accroche ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, regardez, j'ai une libellule. Je sais pas comment on appelle ça aussi, c'est une libellule. Donc voilà, donc là, je vais mettre mon téléphone en charge parce que j'ai plus de batterie. Donc voyez, regardez la différence déjà. Voyez, mais je vais arrêter de me mettre assis comme ça parce que ça me tire dans le dos. Donc je vais essayer de faire un autre système. Voilà. Vous venez le faire à ma place, s'il vous plaît. J'ai pas envie. Bah, le côté là-bas et tout, je pourrais le faire, mais le côté là-bas, je pourrais pas le faire. Moi, je passe pas. Côté là-bas, monsieur, il est froid. Et encore, je lui dis, ça sert à rien de le faire. Il y a personne qui va le voir, mais tellement qu'il est fort, hein, lui, il ira le faire, mais moi, je passe pas là. Voilà, bah allez, je vais vous charger et puis je vous reprends tout à l'heure. Bonne charge, les amis, mes petits chats. J'ai tendance à toujours maintenant dire les amis. Bonne charge, les petits chats. Allez, hop, je rentre avec vous. Hein. Il fait chaud déjà. Oh, mamie, donc, vous voyez l'aspirateur là.
Il y a ça rallonge là. Ah bah attendez, il y a une autre prise, il y a une prise là, comme ça on peut se brancher. Bon, il y a mon trépied, toi, il y a ma chaise, comme ça quand j'ai mal, je m'assois. Donc il y a une prise là, je me branche là et puis hop, ça va tout seul quoi. Regardez la Mélisse, elle est belle. Hein? Allez, je vais vous mettre en charge mes petits chats. Je vous reprends tout à l'heure. Il faisait déjà bien chaud, je transpirais. Donc là, j'étais encore en pyjama du matin, quoi. Et j'ai été prendre une douche tout de suite après. Monsieur est rentré dans la foulée et tout. J'ai dit, écoute, je vais à la douche tout de suite parce que j'en peux plus. Je transpirais de partout. Donc voilà. Donc j'avais fait combien de machines? Je crois deux déjà. Deux. Et après, j'ai lavé juste ma longue robe bleue. Là, je l'ai lavé tout seul. J'ai fait un programme rapide de 15 minutes, vous savez. Et voilà, comme ça j'étais tranquille. Puis le linge il sèche vite. Moi j'aime bien quand il y a du temps comme ça parce que ça sèche super vite. Donc monsieur m'a dit j'avais bien travaillé, mais il fallait que j'essaye de faire quand même la piscine, mais derrière en fait. Donc, chose que je vais faire, comme ça, ben voilà. Mais il était content de dire ah ouais, ça fait plus propre. Voilà, mais ouais, je vais essayer de faire le derrière, comme ça sera bien propre. Et lui, comme ça, il pourra bien s'en occuper là cette semaine. Et puis samedi, on sera dans la piscine. Donc nous, le nettoyage printemps, nous, il me reste plus que mes carreaux à faire. Et puis ça, après, ça y est, c'est bon, c'est fait. Puisque les gouttières, elles ont été nettoyées, le chenil a été nettoyé, les persiennes, ils ont été nettoyées. Enfin, l'offre que je fais ce devant, mais ça, je vais m'en occuper cette semaine, ça, je pense. Je vais le faire tout de suite un matin. Je pense que je vais le faire jeudi matin dès qu'Alan y part. Je vais installer mes trucs et je vais faire ça lundi matin en fait. Donc je reprends. J'avais pris une petite pause et j'avais pendu mon linge entre deux. Donc je reprends. Donc dans un premier temps, j'avais mis de la spray, j'avais de la croix. Et puis après, j'ai basculé avec le savon noir de chez Action. Il va super. Chez Action. De chez Lidl, il va super bien celui-là. Franchement, il y avait une promo il y a 2 mois de ça. C'était acheté à offert. J'étais même étonnée que Lidl il fasse ça. Du coup, j'avais profité et j'avais pris. Donc, pour éviter de me baisser et tout, parce que franchement, je souffrais du dos, j'avais pris mon balai suiveur et j'ai accroché la lavette dessus. En fait, je l'ai bien mouillé et ça a parti comme du petit pain. En fait, il n'y a que vraiment faire en dessous du liner et puis à côté des pieds et tout, que là, je devais m'abaisser quoi. Mais monsieur m'a dit, ouais, c'est nickel. Il m'a dit, t'as bien travaillé, c'est bien. Il me dit, mais si tu pourrais faire au fond, ça m'arrangerait. Donc, je vais essayer. Et puis, on verra quoi je vais. Donc, je vais quand même essayer, puis on verra. Donc, de là, on était au soir, il était 20h45, je crois, 21h. C'était Canteloup à la télé. Et j'avais du linge à côté de moi. Du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre la caméra. Enfin, ma caméra. L'appareil photo et puis je vous filmer au soir comme ça. Bon, souvent je fais rien le soir, hein, je suis devant la télé, je bois un thé, puis je regarde la télé ou je suis sur mon téléphone. Là j'avais du linge à plier, donc je dis bah, je vais prendre l'appareil photo, je vais mettre en mode vidéo. Comme ça, hop, je plierai mon linge. Puis voilà, je pensais que j'étais contente, je dis, ah, on est lundi. Je vais regarder mariage au premier regard. Puis du coup, je m'allège, je vois que c'est pas ça. Je m'assis, c'est pas ça. Je dis, mince, à quelle chaîne déjà? Du coup, j'envoie un message à ma fille. Je dis, ça à quelle chaîne mariage au premier regard? Elle me dit, ben ça l'a un moment. Je dis, ben écoute, il n'y a pas. Je dis, parce que c'est, je sais plus quoi. Elle me dit, ben ça doit être fini. J'étais dégoûtée parce que j'ai pas vu si les autres, ils ont dit oui ou quoi. Donc, mais je vais mettre en replay. C'est pas grave. Je mettrai en replay et puis. Je regarderai ça en replay, c'est pas un souci. Heureusement qu'il existe hein, le replay maintenant, n'est-ce pas? Hein? Et figurez-vous qu'on n'avait plus d'internet, plus rien à partir de ben, 7h30 parce que monsieur était recherché Alain au foot, il y a eu entraînement de foot de 18h à 19h30. Et puis monsieur, avant de partir, je lui ai dit ben c'est bizarre, j'ai plus internet, j'ai plus de wifi quoi. Il me dit ah bon? Ben, je dis, bah ouais, il me dit, ben, essaye d'éteindre le modem et puis tu le rallumes. Donc, chose que j'ai faite. Et j'ai attendu, je dis, ben, il n'y a rien. Je dis, ben, ça doit être un petit bug, ça va se remettre, parce que souvent ça arrive, vous voyez. Du coup, Alan et tout, il rentre.
On soupe et tout ce que tu étais prêt déjà. Donc j'avais déjà préparé la table et tout ça. J'attendais qu'il rentrait. On a soupé, etc. Puis Alan, il dit punaise, on n'a pas de wifi. Il n'y a rien du tout. J'ai bah ouais, j'ai moi depuis 7h20, on va dire, 19h20, c'est comme ça en fait. Donc mon mari dit ben basculez-vous sur les données mobiles, quoi. Donc chose qu'on a faite. Et puis du coup, j'ai été voir sur Facebook au niveau de la commune, parce que j'ai la commune sur Facebook. Et puis je vois qu'il y a des gens ben, qui ont publié plus d'internet, tout ça. Puis en commentaire, les gens ils disaient effectivement, apparemment, les câbles de fibre, ils ont été arrachés. Il y aurait un gars qui aurait tout arraché en fait. Mais déjà, comment ils arrivent à ouvrir les panneaux? Et donc voilà. Donc on n'a plus internet. Donc sur ce, là, on était ouais, 21h, et puis je vous faisais écouter les oiseaux. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une très 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 bonne nuit, mes petits chats. Et je vous dis à demain pour un live. N'oubliez pas le live mercredi 10h. Bye bye, gros bisous.